Demain, quelle heure? 3h30 là. 22h30, il nous reste plus grand chose. Question à la con. Aujourd'hui, il part pour donc 183 km de liaison, 338 de spécial. Et contrairement à ce qui était prévu, ils vont faire 270 km de liaison de nouveau parce qu'ils vont aller à l'étape d'après. Je note les infos pour le pilote qu'on a vu par rapport au briefing de la veille pour qu'il gère son essence en fait sur la journée. Ouais, laisse pas trop allumer David là, qu'on vide pas la batterie. T'es sûr qu'il n'y a rien d'allumé dedans? Ouais, je pense qu'on a fait un temps ce matin. On va être à les 3/4 d'heure, non? Bonne équipe ouais. Là. Bonne équipe. Comme quoi, faut réveiller tout le monde à 3h30 du matin parce qu'on est plus performant. Astronaute, la Colossus. Ouais, il est en train de marquer les kilométrages où il y a des dangers pour voir par rapport à ces éléments de navigation à quel moment il faut qu'il fasse attention. Nous fait une spéciale d'anthologie. Donc, j'en ai des frissons de partout. Il mérite tellement. Là. Comment va mon Santo? Ça va. Il fait deux belles journées d'affilée. Donc c'est super. Il a vraiment bien géré sa course. Pas de grosses fautes, pas de chute, de la bonne navigation. Il est dans le coup et c'est le principal. Well, it was not bad. Not bad. Too good, a little easy. And... yeah. Navigation was easy, so. So good. Yeah. C'est Rui qui a bien roulé. Premier ravitaillement, il colle 5 minutes à Barreda. Mais les 3 premiers points, il est en tête. Il a fait 5 minutes, 3 minutes, 35 secondes. Les 3 points, c'est contre nous. Oui. Et après, il finit 12 de la spéciale. J'étais en tête à un moment, mon gars. Magnifique. En tête, mon gars. On était comme des vaches dans le camion. Oh. On était comme des fous, comme des fous, comme des fous. Comme des fous. Bravo, hein. Et là,